Le circuit du Mont Bugatti, un morceau évidemment pour tous les pilotes. On va essayer d'en savoir plus avec Jérémy Guardoni, pilote de la BMW numéro 37. Jérémy Guardoni, ce circuit, il faudra le parcourir pendant 24 heures, 4 km 185. Quels sont les points clés de ce circuit ? La première partie du circuit, c'est l'une des parties les plus rapides, voilà, avec la grande courbe à droite, après on enchaîne sur la chicane d'Enlope. Là, c'est un endroit qui est assez délicat. C'est vraiment pas facile à gérer. Souvent, les chronos, ils se font là. Ici, nous, on passe en cinquième dans le premier virage. On doit être aux alentours de 260 km/h. Il n'y en a pas beaucoup des circuits avec des courbes comme ça. Et puis d'un coup, ça ralentit beaucoup pour passer en deuxième dans la chicane. Garage vert, est-ce que c'est une partie qui est difficile ? Si je devais choisir un virage sur le circuit qui me plaît le plus, c'est le garage vert. Et on arrive avec pas mal de vitesse, mais c'est un freinage assez droit. Il y a pas mal de glisse en entrée. On bloque un peu l'arrière en entrée. Donc c'est assez technique de casser la vitesse au milieu et faire des belles glisses à la sortie. Donc ouais, moi, c'est plus mon style vraiment de virage et garage vert. Après, il y a un enchaînement aussi qui est pas mal, le chemin au bœuf, il faut vraiment garder beaucoup de vitesse. Oui, c'est pareil, on ne sait jamais trop comment faire, si rentrer vite dedans, si privilégier l'entrée et la sortie, c'est compliqué. On a vite fait de faire une erreur aussi. Et puis, évidemment, le raccordement, alors c'est pas le plus intéressant, mais par contre, ça débouche sur toute la ligne droite. On va dire que ça ressemblerait, on peut dire que c'est un mini garage vert, c'est pareil, c'est un double droite assez serré. Il faut assez être vigilant, de ne pas trop s'emporter à l'accélération pour pas mordre là-dedans. Mais oui, c'est hyper important. Ouais. Globalement, ça reste un plaisir de rouler ici au Mans ? J'adore rouler, moi, au Mans. Je prends toujours du plaisir. Ouais. Bon, eh bien, on va suivre en tout cas cette BMW. Merci beaucoup, Jérémy. La BMW numéro 37, évidemment, sur ce circuit du Mans Bugatti.